Nous avons créé la fromagerie en 2006. En 2011, on a commencé un petit peu à fabriquer nous-mêmes nos propres produits avec du lait de vache au début. Et puis maintenant, depuis quelques mois, nous fabriquons du fromage au lait de chèvre également, puisqu'on avait une demande. Et puis on voulait surtout mettre en avant les circuits courts. Donc on va chercher le lait pour le lait de vache à Sirens, pour le lait de chèvre à Bouxwiller. Et ce qui nous permet de traiter du lait fraîchement récolté du matin et de le transformer dans la foulée. Notre activité principale ici, c'est quand même l'affinage. Nous affinons, nous achetons des fromages partiellement affinés, voire pour certains tout frais, que nous passons soit au séchoir, soit en cave, et qu'on affine. Les affinages peuvent aller d'une quinzaine de jours à plusieurs mois. Et puis ensuite, sur la partie fabrication proprement dite, on travaille essentiellement des produits que l'on va pouvoir dire des produits lactiques, où on laisse faire un peu la nature. Alors le loup cabri, donc c'est un fromage frais au lait de chèvre, 100% alsacien. Et au milieu, on a le chèvreton, c'est un fromage au lait de mélange, mi-chèvre, moitié chèvre, moitié vache. Et enfin, le petit Louis qui a eu le label Trésor de Saint-Louis, fromage frais au lait de vache. Quelque chose, tu veux pas quelque chose dans le jeu, un truc qu'on a pas hein. J'ai chez moi. Ah, bon, et je crois que j'en avais pris une sel sur. Voilà, donc depuis le début d'année, nous avons une extension d'activité, puisque nous sortons sur 6 marchés par semaine. Donc là, on va au-devant de nos clients, on n'attend plus que le client vienne à nous. Notre façon de faire, c'est toujours d'essayer d'être à l'écoute de nos clients, de répondre à leurs attentes, de pouvoir mettre en avant nos propres fabrications, mettre en avant les circuits courts, mettre en avant les trésors de Saint-Louis, mettre en avant nos fromages.